Claire, qu'est-ce qui se passe? Le coup de cœur du jour, c'est le film Le Bon Plaisir de Francis Giraud, qui est sorti en 1984 et qui est l'adaptation d'un roman de Françoise Giroud, qui est sorti l'année précédente. Le film raconte l'histoire d'un personnage joué par Catherine Deneuve, qui un soir se fait voler son sac à main qui contient une lettre qui laisse entendre qu'elle a une relation et un enfant avec un homme qui entre-temps est devenu président de la République, et qui est joué par Jean-Louis Trintignant, qui joue quelqu'un d'assez isolé, d'assez prétentieux et que vraiment la fonction a coupé du monde extérieur. Et c'est vraiment un beau film sur les arcanes du pouvoir, sur comment l'image et la vie privée des présidents de la République se met à influencer de plus en plus sur l'image publique de ces derniers. C'est aussi un film qui fait évidemment penser à l'affaire Mazarine-Pinjot, hein, qui va éclater que 10 ans plus tard. Et en fait, on ne saura jamais si vraiment il est question de François Mitterrand et de Mazarine-Pinjot, puisque François Giroud n'a jamais reconnu avoir parlé de François Mitterrand dans son livre. Je croyais que vous aimiez cette vie. Vous avez toujours été parfaite.